coup, j'avais pas la tête à faire une vidéo. Et en plus de ça, j'ai chopé la grippe. Donc, du coup, j'ai pas pu faire grand chose. Là, je vous fais une vidéo alors que hier, je me suis fait arracher une dent de sagesse. Du coup, bon, faut dire que j'espère que ça s'entendra pas trop, quoi. Donc, si je bafouille sur des mots ou si je parle un peu mal, bon, au moins, j'ai une excuse. Aujourd'hui, on va parler de l'arc de Mirai Trunks. Donc l'arc de Mirai Trunks qui est fini. Donc du coup, je peux vous donner mon avis sur l'arc Trunks. Voilà. Sur l'arc de Mirai Trunks. Donc il y a quelques mois, j'en avais déjà parlé. J'avais déjà parlé de... J'avais déjà fait une vidéo, donc je sais plus ce que je disais dedans. Mais bon, bref. Du coup, là, l'arc Trunks s'est fini l'année dernière, la semaine dernière. Ce qui fait que, en fait, il s'est fini le 22 novembre, c'est du bout de conneries. Le 20 novembre, bon, ouais, je pense. Donc, en fait, alors, du coup, bon. Quelques reproches à faire. Donc déjà, le niveau des puissances, évidemment, il n'est pas respecté, mais pour ça, c'est Dragon Ball Super en général qui est comme ça. Ouais, le niveau des puissances n'est pas du tout respecté, c'est n'importe quoi, je suis désolé, mais franchement, enfin moi ça me bloque, c'est pour ça que Dragon Ball Super, j'ai du mal en fait. Super, c'est que en fait le niveau de puissance c'est n'importe quoi. Donc autant que Black Goku il soit plus fort que un Super Saiyan Blue, ok d'accord, c'est logique avec l'histoire qu'il y a eu. Oui d'ailleurs ça va spoiler dans la vidéo, je préviens. Si vous avez pas vu l'arc Trunks et que vous voulez aller le voir ou quoi, vous allez vous le mettre à or. Pas la peine de se mettre à la vidéo et puis que les spoil parce que sinon attention tarder, attention. Donc du coup ouais je disais ouais, le problème des puissances, ouais c'est ça en fait. Genre il y a Trunks, or il tient tête à Black Goku en rosé logique, car évidemment le machin il est plus puissant qu'un Saiyajin. Non, enfin, je sais pas, enfin, c'est con. Plus puissant qu'un Saiyajin Blue. Enfin, au début de l'arc, en tout cas. Et le machin, bon. Ah, franchement, je veux pas être méchant, mais franchement. Ben, ça me fait chier, voilà. Le niveau des puissances, il était respecté dans. Il était respecté dans Dragon Ball Z. Dragon Ball aussi. Même dans GT, le niveau des puissances il était respecté. Voilà. Là dans Dragon Ball Super, je suis désolé, mais franchement, ça me. Le niveau des puissances, bah alors il est pas du tout respecté. Ouais, je veux dire, c'est ridicule au bout d'un moment. Ça devient ridicule. On a aussi appris que, alors, la fusion maintenant elle dure 1 heure. Ok, d'accord. Bon, au moins ça explique beaucoup de choses. Bon, après c'est pour la facilité scénaristique, hein. Toriyama a fait pour aller ça durer 1 heure. Comme ça moi je suis pas obligé de les garder tout en collé. Voilà. Bon. Du coup, on a aussi vu. Alors, Vegito. Alors ça fait plaisir, mais franchement c'est du fanboyisme. Hein. Franchement c'est. Enfin c'est le fan. C'est plutôt du fan service, je veux dire. C'est du fan service, évidemment. C'est fait exprès. Les mecs, ils se sont pas dit. Enfin, scénaristiquement, il ne sert à rien. Scénaristiquement, Vegito, il est arrivé. Il y a eu 5 minutes d'animation, même pas. Puis voilà.
aussi un problème. Donc oui, en fait là je dis d'abord tous les défauts et après je dis tous les points positifs. Le défaut aussi défaut, il y a beaucoup d'incohérences. Ce qui fait chier. Ah voilà. Rien que la cohérence avec Maï. Voilà, Maï, qu'est-ce qu'elle fout dans le futur? Je vais refaire ma théorie. Et ma théorie, prouvez-moi le contraire. Franchement, ma théorie, elle est valide. Elle est valide. C'est simple. Maï, dans le. Enfin, dans le futur de Trunk, on est d'accord. Enfin, il y a eu beaucoup de morts. Si Mai elle est encore vivante, imaginons qu'elle est encore vivante, elle aurait pas l'âge de Trunk. Elle aurait l'âge, je sais pas, elle aurait 50 ans. Voilà, elle aurait l'âge de Bulma. Elle aurait l'âge de Bulma. Donc, du coup, c'est n'importe quoi. Parce que, voilà, c'est impossible. C'est impossible. Voilà, logiquement. Enfin, je sais pas moi, ça me paraît logique. Tu te dis que Mai elle va arriver dans le futur. Bah après je sais que c'est pour le côté romantique et tout du truc. Mais ça c'est une putain de grosse incohérence hein, franchement. Bon c'est pas pour toi que ça m'a gâché le machin à coup, je me suis pas dit à chaque fois que je voyais Mai, j'étais pas en mode incohérence, incohérence. Après moi j'ai fait avec, voilà, bon. C'est une incohérence. Scénaristique. Voilà, je suis désolé. Ce qui fait que. Alors, attendez, je réfléchis. En point négatif, je pense que c'est bon. Je pense que c'est tout ce qu'il y a. Même si, voilà quoi. Enfin, voilà, je vous l'ai dit. Les incohérences et tout. Enfin, tout ce quoi, bref. Ensuite, en point positif, parce que des points positifs, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ah non, aussi, en point négatif. Mais ça, c'est dans Dragon Ball Super tout court, c'est Goku. C'est un point négatif quoi. Je veux dire juste sa personnalité. En fait, on dirait un gosse. Parce que rien que la scène où il y a Vegeta qui dit bah merde, t'as jamais embrassé Chichi. Et Goku il dit bah non, j'ai jamais embrassé Chichi. Alors qu'il y a une scène qui montre très bien. Une scène qui montre très bien que Gigi a déjà embrassé Goku. Et encore, c'est Goku. Enfin, ouais, c'est plutôt Goku qui a embrassé Gigi. Hein. Dans Vengeance du Génial, je me rappelle encore. Dans l'arc Cyborg. Il s'était. Bah, tout ça là, vous pouvez aller vérifier. Il y a Vengeance du Génial, il ramassait la poignée d'une porte. Et au moment où il se pète la gueule, il y a Goku qui embrasse Gigi. Bon, nous, on le voit pas. Et on voit juste que Goku il soulève Chichi ou il la prend dans ses bras quoi et puis bon. Je dis ouais c'est les mecs, enfin ouais, si Goku il a fait deux gosses, le mec il a baissé et tout. Mais il a pas embrassé. Et on me le fait pas moi. On me le fait pas moi.
juste un défaut, c'est que je me dis, franchement, putain, par exemple, voilà, des super, bon, Super Saiyan God, Super Saiyan God contre Beerus, les deux, ils sont sur le point de détruire l'univers à chaque coup de poing qui se mettent, là, on est d'accord. Super Saiyan Jin Blue, Super Saiyan Jin Blue, tu dois te dire qu'il y a un univers qui pète à chaque coup de poing. Je sais pas, ça me paraît logique. Pas logique. Genre, à Super Saiyan God. À Super Saiyan God contre Beerus. Vous pouvez aller vérifier. À chaque coup de poing qu'ils se mettent, il y a l'univers qui est sur le point de se détruire. C'est pas moi qui vous le dis. Hein. Ensuite, Super Saiyan Blue. Bon, je sais rien, moi. Moi, tu me dis ça. Les incohérences. Ça serait bien ça.
arc de Dragon Ball Super, là, y a rien à dire. Genre, franchement, il manque plus que les OST. Les OST à l'ancienne. Les OST de DBZ. Et les Hermès, franchement, ce serait énorme. Ou genre des remix. Ouais, ce serait énorme, ça, putain. Des remix, genre, enfin, je sais pas, version un petit peu plus. Genre, version métal ou je sais rien, enfin, des trucs comme ça, je sais rien, moi, je dis ça comme ça. Mais genre, j'avoue que là, franchement, ça rentre super bien. Ça serait énorme. N'hésitez pas encore une fois à me dire dans les commentaires ce que vous